نمشي بالدوره ومعنا الرئيسه بتاع الجامعه وديما تقول pour promouvoir une édition de musée, il faut le mettre devant des obstacles un peu plus difficiles et moins difficiles. Donc, ils aiment la nouvelle, ils sont parfois, ils sont très rares. Notre 4e édition à Sénat, Karana, son Kounou, par rapport au tableau qui est aussi l'open, ça va être un tableau cassé choué. Comment t'as cassé? C'est que le classement des joueurs de Jib, Sénat, le classement de l'année, il est 84e mondial. Donc, on vient tout juste d'avoir l'autorisation, madame la présidente, d'accepter la wild card de la Mission Fédération, Abdel Fajardel, Chateau Hender, Médé Américanea, Esmakawa, Jiba Fix, Abrafmeni mondial. Donc, l'année qui est de la wild card, Abrafmeni mondial, Sénilab, mondial ou un petit autre tâche, quelle à la mer, je pense que la concurrence est revue pour cette édition. Le tournoi est désarmé, le chien de l'île reste partagé. On a des tours qualificatifs, les trois jours de l'année, où à partir de mardi 12, on passe à la phase finale de ce tournoi. Donc, on aura comme juge arbitre principal une Bulgare, madame Vasilina Doneva. Donc, il faut partir d'un Aljama, Flania Mayou, donc Khadouman. Donc, l'Arsène faisait un tableau qualificatif, fils Mania Orbaïder, je vous passe la semaine maintenant qui est à terme le tableau final. Le tableau final est à 12, par le classement. Le cas où il y a une petite d'arbre. Le classement terme, il y a une Arbaoufmeni, Hattèche, Mithil Franceski. Le classement dans le tableau final. Associé à cela, la femme a un tournoi double. Le cas où il y a une sortage jamaïque, il y a d'ailleurs une finale terme. Je prends le final terme et on m'a sauté. Donc, on a à peu près 70 mouchettes, 25 lettres, Tunis, Suisse, la Turquie, Bologne, France, Pérou, Ukraine, États-Unis, Slovénie, Géorgie, Russie, Canada, Hongrie, Serbie, Mexique, Belgique, Bulgarie, Venezuela, Grande-Bretagne, Croatie et d'autres pays. On a 4 wildcards qui vont être aussi donnés à des Tunisiennes pour le tableau qualif. Donc, je suis un peu plus net. 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 Donc, c'est au niveau du programme. Par contre, on a 2 wildcards qui sont propriétaires du club, qui vont revenir à l'Académie Justin Hélin et les DF Belgique. L'Académie Hélin, on a un peu de temps, on a un jumelage, on a un peu de temps, on a un peu de temps pour les former dans leur académie en Belgique pour la formation et le devenir du tennis international. Chef de Fokera, ou Hassno, par rapport au Mustafa Hanafi. Donc, si on revient un peu les joueuses, donc, on a un un pour trouver la 18e qualifiée. On aura, pour les mêmes femmes anciennes dans la WRD, on aura un match gala, ce qui veut dire, c'est une session nocturne. Le match est là, c'est en Ostarachet.
Cela va permettre de dire nous, Massetta, et nous jouons au FAB. Entre autres, nous sommes là, il y a un autre match, nous sommes là, 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 nous sommes là. Donc, on veut que ce tournoi, il coule, nous va à terme, coule bien. On veut que les gens viennent voir. On veut développer cet aspect en fait, sportif, culturel, geste libre. Le tennis, couche par hasard. Il y a un tournoi, il y a un tournoi, donc j'ai eu un tournoi. Donc, voilà, donc, nous tenons à remercier aussi nos sponsors, et puis sans eux, aussi, on n'aurait pas pu faire cette manifestation. Donc, on a Tata, on a Enet, on a GlobalNet, on a Relax House, tels que aussi les sponsors fournisseurs, tels que Toussaint, Toussaint, qui nous a accepté de l'Ontanaire, on a Mosaïque, on a Tunivision, on a Bouga et on a ABA. Voilà, ou si donc, vous avez d'autres questions à nous poser, on y revient.